Irlandaise. Alors que Quentin Faucheur vient de franchir l'obstacle numéro 15, l'arrivée des bénévoles, il aborde la pointe de haie des casques GPA. Ah, malheureusement pour Quentin, il a jusqu'à le soin un refus sur l'élément B du numéro 16 sur la pointe. A refusal on fence 16 for Quentin Faucheur on the corner fence. And a bit of accuracy fence here at the end of the course for the right of the top of the fence. And coming into the last fence now. Cahal Daniels, Martha Moroz is clear over the bullfinch. The barrels, the upright log, Quentin Faucheur for France. He's coming back now into the main arena. He's just three from home now. Clear, last move of that electric with Amélie Sartois. He's still galloping well. And coming in to the wheelbarrow fence. La brouette green mat et chefer, matériel d'engin et d'espace vert bien franchi pour Quentin Faucheur. Les poneys du fond éperon bien franchis également. Allez, le dernier obstacle pour le premier membre de l'équipe française. Il va rentrer avec 20 points de pénalité aux obstacles. Et peut-être un petit peu de temps, mais on vous donnera le résultat tout à l'heure puisqu'il y avait un certain temps d'arrêt. Magnifique poney gris, poney irlandais, couple irlandais, des couleurs vertes de l'Irlande.
bientôt à l'arrivée, Carl Daniels qui va chercher l'épaulée du fond éperon, fond d'encouragement au projet équestre. Et c'est bien franchi, l'arrivée à quelques encablures pour Carl Daniels Baltimore Rose. Voilà, et le premier membre de l'équipe irlandaise qui rentre sans pénalité aux obstacles. En 7 minutes 36, un petit peu de dépassement de temps. 3.60. 7 minutes 36 seconds for the time for Carl Daniels and a clear across country. Well done. Lovely round there. And 3.6 penalty points for time. Total of 48.8. Milo De Hoon, Vitres VIP, number 242 for the Netherlands, is on the course. She has cleared fences, she's cleared fence 13.